7 mois que j'ai pas vu Dominique. What? Tu es là déjà? Je suis à vos. On se trouve là-bas, d'accord? C'est cool? Ok, donc ça va être la première fois que je mange quelque chose français. Ok, on traverse. Tu peux même pas terminer ta phrase avant de avoir besoin de faire quelque chose d'autre. Ok, on traverse. On peut manger vite. Ah, ça doit être délicieux. Ça, c'était un café où on en est tout le temps. Why not? Oh my god, tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont pensé que c'était juste de charger 5$ chaque café. On paye pour l'art, ok? Il faut qu'on soutienne les artistes, Joe. Si on soutient pas les artistes, on n'a pas de la beauté. Si on n'a pas de la beauté, les gens n'ont pas d'espoir. Ok, c'est vraiment une soirée française. Cuties. And the vegetarian plates. Just what's on the board. So that would be. Looks like you really are in France. Yeah. Pourquoi t'as choisi le restaurant le plus cher? J'ai jamais vu le menu. La carte n'était pas online. Thank you. The playlist is fire. Is this yours? Curated from the radio. Like, ils nous aiment pas. Like, ils nous aiment pas. Where do you go to eat around here? I eat there. It's like. She's just like laughing at. La plus parisienne. Ah, je serais expensive. 11$, chaque verre de vin, c'est. $11, ça, Dominique? $11. 11. Ils nous volent. Dominique, c'est abusé. Wow. C'était drôle. Les prix, ouais. Oh my god. La bouvette. Dominique et moi, on se dispute. Donc, c'est déjà une soirée française. Il y a un resto à Paris qui s'appelle La Bouvette aussi. T'as vu? C'est une chaîne. Oh, 30 minutes, mais non. Oh, notre échec. On va manger un cheeseburger, American cheeseburger. Prochain. Et directement à côté de la bouvette, il y en a un autre resto français. Parlez français? Je suis breton, donc évidemment je parle français. Ok, donc en français. On n'est pas français, mais on fait genre qu'on est français. Vraiment, on est des Américains ici, on parle français dans un resto, mais j'ai l'impression qu'on est plus lourd en parlant français ici en tant qu'Américain dans un resto français. Ça, c'est pas... Do we literally go with the cheapest? Yeah, 37. Non, on prend le Cabernet Sauvignon. Ok, la bouteille. Sorry, non. They don't have it because it's the cheapest. Dominique, if you're gonna act up, I'm gonna take you to McDonald's. Yeah. Oh, baguette. Yes. Oh my god, it smells so good. Zeman, t'as vu ton portable? Non, pourquoi? Ta mère nous a envoyé un texto en disant félicitations pour 800 000 abonnés. Like, dans un groupe chat avec toi et moi. Dominique, elle dit, alors il met une heure pour mettre des épinards sur un plat avec un petit palais de chef chaud. Dis, Dominique, comment tu veux te critique, t'es le plus française en fait. C'est française. Et c'est quoi ça en fait? C'est le poulet paella à la paella, whatever, I don't even know what that is. Merci. Sérieux, j'ai trop faim et moi je vais aller là-bas au deli pour prendre un egg sandwich. Donc ça veut dire une seule chose, si tu veux manger de la bouffe française ici à New York, il faut se préparer avec un petit sandwich chez le deli. Non, il faut vous préparer avec une grosse compte bancaire parce que... Oh my god, et ça aussi, on vient de payer trop. Donc laissez un commentaire en bas. Je rigole pas. Hello, Hey, what's up? She's never been to New York before. I'm a tourist. It's her first time. Welcome. Thanks. Egg on avocado, Swiss on whole wheat toast. You got it. Bon, abonnez-vous. On se voit la prochaine fois. Bisous. Ciao. Comment ça va? Comment ça va? Do you speak any French? Oui. Comment ça va? Ça veut dire pas que j'ai pas envie de faire une soirée française. Damon, n'est-ce pas? Viens ici. Paris te manque? Bah oui. J'ai cherché des restos ici qui sont pas trop luxe et riches et chic. Ah alors j'y vais pas là.